Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy X HD Remaster. Nous sommes à Bevel, magnifique ville, la tour sacrée, un monument extraordinaire et un mariage d'anthologie qui est en train de se jouer au-dessus des nuages en ce moment, entre Yuna et l'incroyable Seymour. Et on va venir interrompre tout ça. Bien entendu, les forces armées de Bevel ne sont pas du tout contentes vis-à-vis de cette interruption. Armée d'un fusil, le moine guerrier armé d'un lance-flamme. Ok. Tout va bien. Tout va bien. À merveille. Oh! On esquive des coups de feu. Lulu est ouf. Genre, en plus, elle a une robe où elle peut pas courir avec, hein, globalement. Elle fait juste genre. Wow, wow. C'est complètement dingue. Ok. Pas trop mal. Vas-y, mon pampa. C'était pour la beauté. La beauté du monde. J'étais en mode donnez-moi des points quand même. Oula. Oula, il y a un kickly mécanique là. Ouh. Ouh, Kimari est pas bien là. Il a envie, mais il est pas content. Ah, c'est vrai que j'ai un nouveau type de overdrive pour Kimari. Enfin, j'ai combativité pour lui maintenant. C'est vrai qu'il a somni aussi. Kimari, il a des trucs qui traînent partout, quoi. C'est le Kima Boy. Ah, il fait des Mawashigari quand il est seul. Ouais. Ouais. Je veux pas qu'il se retrouve seul en fait, mais... J'ai peur de ce que ça fait ma Mawashigari. Faut 1,5, le feu et l'eau. Ouh, il fait tellement mal. C'est insane. Ce lance-flamme est d'une efficacité déconcertante. On va aller sur Riku. Faire un soin de groupe. On y est presque. Énorme. Maintenant, on va pouvoir tuer les lance-flammes. J'aurais mieux fait tuer un des lance-flammes avant, ça aurait fait moins d'attaques. On a un overdrive à choper du côté de Waka. Voilà. Par contre, il est rapide, Jean-Jacques Lancelot, là. Chapeau. Potion plus. Énorme. Voilà, on va mieux. Ça va, c'est un petit combat. Ah, j'ai toujours pas d'MP pour Tidus. Oh, je lui donne des MP avec un éther pour booster. On va se le donner là d'ailleurs. Voilà.
Comme ça, dès qu'on en a besoin, on booste. Allez, pétrification sur le mec qui a 2 PV. C'est pour des coffres ça? Non, c'est juste qu'ils me laissent pas passer. Genre ils sont là, ils font rien. Ils sont en mode n'avancez pas plus. Ok, alors... Ils vont quand même tous attaquer avant quoi, c'est ouf. Même si je fais sauter sur tout le monde. Ils sont tellement rapides. C'est dingue. Ou plutôt Waka. Technique, non, spéciaux, oui. Cécité plus. Sur le T-Kick V63. Alors, parce que c'est celui qui fait pas mal de dégâts avec son coup de pied. Utiliser une potion Albed. Oh, il est toujours vivant. Toujours là, toujours debout, toujours la patate. Quand on a du mal à se remettre. Allez, lui, quoi. Fais venir Kimari, parce que je veux que Kimari gagne de l'XP pour prendre Ultima, là. Genre, vraiment? C'est du foutage de gage. Oh le gars! Le gars il attaque 18 fois avec son lance-flamme là. Je me fais vraiment endommager, hein, c'est ouf. Heureusement que j'ai plein de potions. Est-ce que je peux apprendre Ultima qui m'arrive? Est-ce que ça y est, on a gagné? Ah non! J'avais pas compris qu'il me fallait 3. Je me déteste. Ah. Moi, je croyais qu'il fallait que je fasse ça. Une clé. J'arrive là et c'est bon. Mais non, il faut que je tourne autour. Oh. Et j'ai qu'une seule sphère, bien sûr. Ah, ah je me déteste. Ouais, tant pis maintenant. On a pourri Kimari. Allez, Kimari apprend cécité. Bon, bon, on n'aura pas Ultima tout de suite. Ah, oh, j'étais tellement chaud. J'étais en mode Ultima, tout ça, on va la voir, c'est cool. Mais pas du tout. En vérité, absolument pas. Oh. Je sais pas lire un diagramme quoi, c'est... On a été plutôt pas mal sur le soir jusqu'à présent et... Sur les derniers épisodes, j'ai cumulé les erreurs. C'est ouf. Mais bon, ça va, c'est négligeable. C'est négligeable. On a un Kimari qui va faire cécité, ce sera très bien. Enfin, obscurité, pardon, excusez-moi du peu. Allez! Ah ça y est, on est
On a les Jean-Jacques canon là. Hors de portée, rapprochez-vous en éliminant les ennemis en première ligne. Ok. Pour la science, je touche quand même si je fais ça. Pas du tout. Ok. Bon bah maintenant on sait. Maintenant on sait. Your pain shall be twofold. Ça, on le défonce. Je suis tellement déçu pour mon ultima. Oh. Enfin, ça va, on a combattu 15 mecs avec des fusils. Stop. C'est le moment, Yuna. Personne n'a vu que tu avais ton bâton. You would play at marriage just for a chance to send me? Your resolve is admirable. All the more fitting to be my lovely wife. Stop! Do you not value your friends' lives? Même Mika s'y met. Même lui, il est corrompu. Your actions determine their fate. Protect them, or throw them away. The choice is yours. Non. Oh, il est un peu le vôtre aussi. Non. You are wise. La scène la plus terrible du jeu. Ils sont officiellement mariés maintenant. Hein. Et oui, on négocie pas avec les terroristes. I am sorry, but it is for Yevon. Aren't those weapons forbidden by Yevon? There are exceptions. Quand ça nous arrange. Cette arme tremble beaucoup. Throw down your weapons. Let them go, or else.
Donc Seymour attache quand même une certaine importance à Yuna. Leave now, please. You're coming with us. Don't worry, go. This is foolish. If you fall, you'll die. I can fly. Believe. Fuyez par contre, genre, elle fait tout ça pour que les gens puissent fuir, et ils s'en vont pas. Et là, soit Yuna est extrêmement douée et aucun autre invoqueur n'est capable de faire ça. Grenade. Soit Seymour et tous les autres mecs de Yvon qui sont censés connaître un minimum les invoqueurs sont des purs crétins de ne pas avoir pensé que Yuna pourrait faire ça alors que c'est la première chimère qu'elle a. Let me go. I'm gonna kill that Seymour. Yuna said leave. We leave. We'll join up with her later. Il est déjà mort surtout. Breakthrough. Oh, je vais le retuer moi. Where'd Yuna go? The Bell Palace is temple. Yuna goes to one place only. The Chamber of the Faith. Ah, on a une invocation à choper à Bevel. It's too quiet. On a tué tous les gardes. Who cares? Yuna's waiting for us. Huh? What's a machina doing in the temple? I suppose it comes in handy. That's not what I mean. The teachings. What about the teachings? Il s'en fiche. Hey, don't look at me. C'est-à-dire que toutes les personnes, parce qu'il y a des invoqueurs qui sont allés à Bevel pour choper l'invocation, vu qu'il faut toutes les invocations pour pouvoir, toutes les chimères, pour pouvoir avoir l'ultime chimère et combattre Sin. Donc ça veut dire que tous les invoqueurs et leurs gardiens sont déjà allés à Bevel. Another machina? Et ils n'ont jamais vu ces labos. So this is Yevon's true face. Donc le prieur doit être dans une section particulière they du temps. Their own teachings. They treated us like dirt. Et oui, Waka. Toujours plus simple de dire faut faire ça que. Il y a une sphère, Albed, là. Ah non, c'est un verrou, ok. Que d'y croire vraiment. Je me demande si Yuna est vraiment là-dedans. Let's go and see. Let's go. Let's go! Attendez, j'ai un manuel d'Albed qui traîne au milieu de Bevel. Le J correspond au V. À tous les coups, ils ont demandé à des Albed de rénover l'endroit, etc. Après, ils les ont tués. Salaud. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve bien sûr pour la suite dès que possible. Et comme à l'accoutumée, d'ici là, portez-vous au mieux. Bye.